Regardez, on va faire, vous allez poser celui-là là, vous allez repartir avec ça, comme ça, voilà, et vous mettez un peu plus de peinture. Allez-y. Bon, oui. Ah, oui, j'arrive. Ah bon? On va faire des eucalyptus un petit peu. Voilà, très bien. Ouais. Attendez, on va faire un peu. Alors, là, ça, vous faites pas tout, vous ne dessinez pas, on va poser la peinture d'abord. Hein. Voilà, ça, c'est très bien. Donc, vous m'avez parlé d'un ton crème, donc un ocre et un jaune. Comme ça, ça vous va? Merci. Et donc, un pinceau un petit peu large. Voilà. Donc on va mettre un peu. On va mettre un tout petit peu là du ocre, hein, pour que. On va mettre un peu. Oui, vous reposez un peu. Vous voulez poser une couleur autour? On vient de faire comme ça. D'accord, ok. Celui-là, vous êtes assis, je vous laisse. D'accord. Bah, le mieux, c'est que vous allez rincer déjà ça. On a utilisé carrément 40 tableaux depuis la rentrée. 40 toiles. Donc je suis à court de matériel. C'est-à-dire que avec l'urgence et la pension de famille, maintenant, il y a beaucoup de. Vous êtes nombreuses. Hein. Oui, oui, mais le 29, hein, 29 juin. Tu caches ton histoire, belle rose et bel regard. Leur mézuc préféré, jouer de l'esprit. Il cache son masque, faire le bébé. Lui est un monstre, y a personne qui l'arrêtait. Belle rose et bel regard, j'ai rien fait, j'ai rien fait. Je ne suis pas seul qui a payé beaucoup des histoires différentes. Des femmes, des enfants, des femmes et des enfants. Il y a une femme qui a arrêté sa vie. Oui, il a arrêté sa vie. Il n'a pas supporté. Oui, on ne peut pas supporter. Il était une rose avec une robe blanche. Il n'a pas supporté leur musique préférée. C'est le destin. Oui, c'est le destin. Ne sois pas surpris. Tout est possible dans la vie. Oui, alors donc, à votre arrivée à Amiens, donc comment ça s'est passé pour vous? Ça a été comme... Comme dans cette situation-là? Voilà. Ouais, c'est-à-dire ça veut dire des mains sur la tête. Ouais. C'est normal pour quelqu'un qui se sentir seul. Il n'y a personne que je connais à Amiens et j'ai personne. Donc, voilà, c'est dur pour moi, c'est douloureux. Voilà, ça a été, pour moi, on dirait, c'est Agena. Il a fait beaucoup de choses pour Donc, ça a été la rencontre avec Agena oui, à ce moment-là. C'est avant, c'est Agena qui m'a fait venir déjà à Amiens. Donc, c'était vraiment une chose bien pour moi. Et là, à ce moment-là, vous avez rencontré d'autres dames? Vous avez rencontré... Normalement, c'est toujours Agena qui m'a orienté sur des activités. Parce que moi, avant, c'est toujours enfermé, comment dire. Enfermé, c'est vous enfermé, étiez... c'est moi, normalement. Enfermé sur moi, ça veut dire ouais. Je ne connais personne, j'ai rien. Donc, toujours, c'est à la maison. Vous restez enfermé chez vous? Oui, voilà. Ah, ouais. Je ne connais rien à Amiens. Ça, c'est normal. Donc,
tu sais pas où tu pars, ta personne, donc tu es toujours à la maison. Donc c'est un sentiment de solitude que vous éprouviez. Oui, 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 voilà, c'est ça. Mais grâce, normalement, à Jena, je connais beaucoup d'activités et ça a été aussi l'activité de l'atelier de peinture. Chez Madame Eberia, la grande artiste. Oui. Grâce à vous, on connaît beaucoup de choses et comment on mélange les peintures, comment on arrive pour faire une image normalement. Pour moi, au début, je vois que c'est difficile par vous et les choses que vous êtes toujours là, donc on arrivait à exprimer ce qu'on veut sur le tableau et ça, ça me fait du joie. Parce qu'en fait, au départ, on est parti d'une image qui existe. Vous êtes resté un peu sur cette image, mais très vite, vous êtes allé sur des choses personnelles. Vous avez choisi de quitter la reproduction fidèle. Tu es de la nature, une fleur qui plante à terre. Tu souris avec toutes les plantes, tu étais contente. Tu étais attirée par un couteau qui t'a fait sentir la mort. Oui, la mort en vie. Il n'y a personne qui m'a vu. Qui va me donner la main? Oui, j'étais loin. Il m'a accueilli de mon pays. Il m'a fait venir à son pays. Il a appris. J'étais esclave, j'étais maltraitée. Oui, j'étais muette. Je vois qu'avec mes yeux. Ils ont pensé que je ne peux rien faire. Non, non, j'ai quitté le prison. Je suis libre. Grâce à les gens que j'aime beaucoup. Merci à vous, merci à vous. Maintenant, je suis une fleur dans une vase, avec ma nouvelle famille, avec que je suis contente. Merci à vous, merci à vous. Ce livre, ça vous correspond, c'est Kirchner. Et dans l'autre aussi, c'est un peintre expressionniste. Vous aviez aimé aussi dans l'autre livre sur les expressionnistes. Et donc, une fois que vous êtes dans l'atelier, qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce que vous y retrouvez? Qu'est-ce que ça vous apporte d'être dans vos pinceaux, dans pour la peinture? Pour moi, la peinture, j'oublie tout derrière moi. Donc, j'arrête de penser à l'extérieur, je reste sur mon tableau. Même que j'ai un problème de mon œil, j'arrive de pas sentir la douleur, je reste avec le tableau jusqu'à la fin. Et ça me fait du joie. Quand tu arrêtes de penser pour un moment et d'être sur un tableau pour comment dire, 2 heures et tu ne sens pas le temps et tu aimes de continuer. En fait, vous êtes concentré. Vous êtes très concentré. Voilà. Je sais, à midi, quand on s'arrête, hein, c'est difficile. Ah oui, mais c'est difficile. Donc voilà, ça. Donc, quelque part, ça, vous avez l'impression que ça vous apaise, que ça vous apporte... ça vous apaise, ça vous donne ça de la paix, du calme? Oh oui, ça me soulage, ouais, ça me fait du bien. Voilà, ouais. Ça me fait du bien, je sentis bien. Donc voilà, j'arrive d'exprimer les choses que je veux. Et ça, ça donne beaucoup de joie. Donc à chaque fois, tu attends pour que tu viennes, pour que tu... Donc en fait... Vous êtes fière de vous, de ce que vous avez fait? Je suis fière de moi et je suis fière de beaucoup de gens qui sont autour de moi. Oui, mais et c'est vous qui faites normalement, les choses. Qui me poussent de s'enlever et de me trouver moi-même comme j'étais avant. Ce n'est pas mon chemin, c'est le destin. Perdu le plus cher et perdu la lumière. Je vois pas clair. Ce n'est pas le bon chemin. Ce n'est pas le bon chemin. Je vous aime beaucoup. Je veux vivre ma vie comme je veux.
J'ai pris l'avion, c'est que du sable. Beaucoup d'orages, beaucoup d'éclairs. Le corps saigne, personne te voit. Tu vas dire quoi? J'ai vécu l'esclavage, personne me voit. Je vais dire quoi? Pleurer du sang mille fois. Il y a beaucoup de chemins dans la vie. Des buissons ou... Toujours la vie en rose, non? Ah ben il y a du rouge, mais il y a un petit peu de rose, donc ça adoucit. Ah oui, parce que la femme toujours elle regarde la vie en rose. Et donc là, qu'est-ce que vous en pensez de votre tableau justement? Mon tableau normalement c'est une femme normalement arabe ou on peut dire toutes les femmes. Mm-hmm. C'est toujours on a besoin d'un homme de près de nous, mm-hmm. donc de mes côtés ou pour toutes les femmes c'est la même chose. Et parce que chez les pays normalement arabes tout le temps la femme un petit peu c'est pas libre. Mm-hmm. Donc pour moi je vois pour qu'il être un petit peu libre, de travailler, de exprimer ce qu'il veut normalement, parce que parfois la femme elle arrive pas de exprimer ce qu'il veut. Est-ce que vraiment il y a la liberté et l'égalité? Est-ce que vraiment il y a les mêmes droits? Les mêmes droits dans la loi? La loi du travail est d'être égal. Si lui est un homme, tu es une femme. Vous êtes égaux. Tu as le droit de sortir. Tu as le droit de travailler. Tu as le droit de penser. Tu as le droit d'exprimer. Libérez-vous et volez. Vous n'avez pas besoin de vous cacher. Je sais que c'est à moitié. Alors ce tableau, maintenant qu'il est terminé, qu'est-ce que vous voulez en faire? Est-ce que vous allez l'accrocher? Vous allez le donner? Pour moi, je ne peux pas le donner. Ah bon, pourquoi? Je peux pas. C'est difficile pour moi. Pour que je donne le tableau, c'est difficile. Ça, j'ai exprimé tout ce que je veux dans ce tableau pour que je donne. Donc, c'est une partie de vous-même. Oui, voilà.